Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Domu Gaïnde, Lumu Touti Touti, Gaïnde Rek, Lay, Dor, allez les lions, allez les lions. Donc les lions sont U20, remportent la Coupe Arabe U20 face à la Tunisie. Donc le tenant du titre, la Tunisie, a été battu par le Sénégal 1-0. Dans la Tunisie, Maurice de Rennes, Sénégal, Fekko Koffa, Dor Gboum Touré, avec un but de Samba Diallo. Samba Diallo. Diallo Djeri. Les Lyonceaux participaient en tant que qu'invité. Donc dañ leen invité won Gandou Bey mais Lyonceaux yi yewu nañ Bey parce qu'ils ont remplacé le Yémen et ils sont venus remporter le trophée et ça donne une idée sur les performances, sur la qualité de la formation sénégalaise. Petite catégorie actuellement initiée par Mbaye Diouf Dia actuellement mo ngi joxé les résultats. Parce qu'on a été finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2019. On a été quart de finaliste de la Coupe du Monde U20 en Pologne. On a gagné la Coupe UEFA dernièrement. Et cette fois-ci, on s'impose face à la Tunisie en tant qu'invité pour la Coupe Arabe. Donc félicitations à Issa Aïdara, à Youssoufa Dabo, à Moussa Ndiaye, John Lopi qui n'a pas joué. Donc Samba Diallo, Pamara Sarr, donc Nyohorba, donc vraiment Abdoulaye Ndiakhate Ndiaye, Libas Gueye, tous les donc, acteurs de cette belle victoire. Donc félicitations aussi à la fédération et à tous les supporters. Donc ça, c'est une satisfaction pour le football sénégalais. On remporte des trophées. On attend la Coupe d'Afrique des Nations parce que moi, nous deux, on a été finaliste en 2015, en 2017 et en 2019. Nous gagnons 3 fois en finale. On espère qu'en 2021, on va gagner enfin la Coupe d'Afrique des Nations U20 et senior avec les Sadio Mané et Ismaël Sarr. Donc félicitations à nos chers Lyonceaux qui ont remporté donc le trophée avec un but de Samba Diallo. Oh le lion, oh le lion.